Voici la somme qu'il faudra investir pour avoir les collections My Hero Academia et Tokyo Revengers. De plus, comme d'habitude, en fin de vidéo, je vais vous mettre un manga mystère. Donc restez jusqu'à la fin pour découvrir quel est le manga que je vais vous mettre en dernier. Comme d'habitude, il s'agira là d'une grosse pépite ou d'un chef-d'œuvre. À vous de voir. Maintenant, commençons avec le manga Tokyo Revengers. Actuellement, le manga compte 18 tomes de sortie en France contre 27 au Japon. Du coup, si vous voulez acheter tous les mangas sortis actuellement en France, il faudra investir 124,20€. Après, on peut compter le tome 18 collector dans ses calculs. En effet, le tome 18 collector est encore disponible dans pas mal de marchés. Du coup, si vous voulez acheter les 17 tomes sortis à ce jour plus le 18 collector, il faudra investir 134,20€. Plutôt, j'ai dit qu'il y avait 27 tomes de sortie actuellement au Japon. Du coup, si vous voulez acheter tous les tomes sortis à ce jour, c'est-à-dire les 27 tomes, il faudra investir 186,30€. Évidemment, là, je compte les prix des mangas quand ils sortiront en France et non avec le prix japonais. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le tome 19 va pas tarder à sortir, c'est-à-dire début juillet. Du coup, si vous voulez acheter tous les tomes sortis à ce jour plus le tome 19, il faudra investir 131,10€. Avec le collector, il faudra investir 141,10€. Maintenant, passons à la collection My Hero Academia. Actuellement, il y a 32 tomes de sortie en France contre 34 au Japon. Du coup, si vous voulez acheter tous les tomes sortis à ce jour en France, il faudra investir 211,20€. Après, si vous ajoutez les deux tomes supplémentaires qui sont sortis au Japon, il faudra investir 224,40€. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le manga a eu droit à pas mal de dérivés. Du coup, en dérivé, nous avons ses spin-offs. Vigilante My Hero Academia, My Hero Academia Smash, My Hero Academia Team Up Mission. Pour Vigilante My Hero Academia, actuellement, il y a 13 tomes de sortie en France au prix de 6,90€. Du coup, si vous voulez acheter toute la collection Vigilante My Hero Academia, il faudra investir 89,70€. Pour avoir tous les tomes sortis à ce jour du manga My Hero Academia Smash, il faudra investir 13,80€. Après, le manga est terminé en 5 tomes au Japon. Du coup, si vous voulez acheter les 5 tomes quand ils sortiront en France, il faudra investir 34,50€. Si vous voulez prendre tous les tomes sortis à ce jour du manga My Hero Academia Time Up Mission, il faudra investir 20,70€. Du coup, si vous voulez acheter toute la collection My Hero Academia avec tous ses dérivés, il faudra investir 413,60€. Aujourd'hui, je vais vous recommander le manga Blame. Il s'agit là d'un chef-d'œuvre d'exploration que vous devez lire absolument. Moi, je vous recommande de lire ce manga dans son édition grand format. Ça vous permettra d'apprécier l'œuvre dans les moindres détails. Du coup, si vous voulez acheter la collection intégrale de l'édition grand format du manga Blame, il faudra investir 89,70€. Après, le manga a aussi son édition classique en 10 tomes qui vous demandera 69€. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de prendre tout d'un coup et que vous pouvez prendre petit à petit, voire même vous pouvez prendre les mangas en occasion, ce qui vous demandera moins de budget. N'hésitez pas à mettre le nom des mangas que vous voulez voir dans les prochaines vidéos et je vous dis ciao!